Salut, c'est Megadriver 16. Sur cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif des 12 célébrations de victoires d'étape possibles sur le jeu Tour de France 2013. Alors, on va commencer. La première, gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers le haut. Et voilà. La deuxième célébration, gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers la droite. La troisième célébration, toujours gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers le bas. La quatrième et dernière célébration avec gâchette haute gauche et croix multidirectionnelle vers la gauche. On passe maintenant aux célébrations avec la gâchette haute droite et croix multidirectionnelle vers le haut. Alors maintenant la gâchette haute droite, croix multidirectionnelle vers la droite. Elle est pas mal. La gâchette haute droite, croix multidirectionnelle vers le bas. Gâchette haute droite, croix multidirectionnelle vers la gauche. Maintenant aux quatre dernières célébrations, celle en prenant les deux gâchettes hautes en même temps. Donc deux gâchettes hautes en même temps et croix multidirectionnelle vers le haut. C'est une spéciale King Kong Sagan. Gâchette, les deux gâchettes hautes en même temps et croix multidirectionnelle vers la droite. Encore une spéciale Sagan. Les deux gâchettes hautes en même temps et la croix multidirectionnelle vers le bas. Voilà, je crois que c'est celle-là ma préférée de toutes. Et enfin, la 12e et dernière célébration du jeu, les deux gâchettes hautes en même temps et la croix multidirectionnelle vers la gauche. Voilà, à bientôt. Salut, c'est Megadriver 16. Sur cette vidéo, je vais vous faire un récapitulatif des 12 célébrations de victoires d'étape possibles sur le jeu Tour de France 2013. Alors, on va commencer. La première, gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers... Alors maintenant la gâchette haute droite, croix multidirectionnelle vers la droite. Elle est pas mal. La gâchette haute droite, croix multidirectionnelle vers le bas. Gâchette haute droite, croix multidirectionnelle vers la gauche. On passe maintenant aux quatre dernières célébrations, celle en croix directionnelle vers le bas. La quatrième et dernière célébration avec gâchette haute gauche et croix multidirectionnelle vers la gauche. On passe maintenant aux célébrations avec la gâchette haute droite et croix multidirectionnelle vers le haut. Et voilà. La deuxième célébration, gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle vers la droite.
troisième célébration, toujours gâchette haute gauche, croix multidirectionnelle.